Je voudrais tout simplement vous demander maintenant de partager ce moment d'émotion à travers une minute de silence. Merci à vous. Comme partout en France, Villeurbanne a ce midi respecté une minute de silence en hommage aux 84 personnes tuées lors de l'attaque jeudi dernier sur la promenade des Anglais à Nice. Nous avons ici, dans cette ville, comme on le fait dans toute la France, je crois, à manifester de la même manière. C'est-à-dire à la fois à travers un moment de recueillement, penser aux victimes, blessés, à leurs familles, et puis aussi d'avoir une réaction qui soit une réaction d'hommes libres, de citoyens. Un moment de recueillement où l'émotion était encore bien perceptible aujourd'hui. La ville a pour l'occasion mis à disposition un registre de condoléances pour permettre aux Villeurbannais d'exprimer leur solidarité avec les Niçois. Je pense surtout aux familles qui doivent être dans la peine, et ça c'est terrible hein, de pouvoir anéantir comme ça des familles. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour réaffirmer ma solidarité et ma tendresse, mon affection pour toutes les personnes qui ont perdu des proches. Une solidarité également partagée ce midi par le personnel du Conseil général du Rhône et de la préfecture. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Participer à ce moment de recueillement avait ce sens de solidarité, d'hommage et de penser aux victimes et d'affirmer la capacité de notre pays à surmonter l'épreuve, faire preuve de résilience, à être plus fort et plus grand que ceux qui veulent l'abattre. Un hommage aux victimes de Nice qui vient s'ajouter aux nombreux autres hommages exprimés depuis vendredi à Lyon. Une période de recueillement qui se terminera ce soir avec la fin du deuil national de 3 jours décrété par le chef de l'État.